La première pierre du plan calcul a été posée hier matin au ministère de l'Économie et des Finances. C'est en effet hier matin qu'a été signée la convention qui lie l'État à la Compagnie internationale pour l'informatique, en abréviation C2I. Avant M. Debré ont signé cette convention M. Olivier Guichard, ministre de l'Industrie, M. Messmer, ministre des Armées, et M. Maurice Schumann, ministre d'État à la Recherche scientifique, ainsi que les présidents-directeurs généraux des sociétés privées qui composent la Compagnie internationale pour l'informatique. Et M. Debré a tenu à préciser l'importance de cette signature. Ce protocole, ou plutôt cette convention, répond à un objectif très précis. Avoir une forte industrie nationale capable de construire des ordinateurs. Voilà, en quelques mots, notre objectif, notre préoccupation. Pourquoi? D'abord parce qu'aucune nation industrielle ne peut se développer dans les années à venir, sans informatique, c'est-à-dire sans ordinateur. Et qu'il est bon en ce domaine qu'un pays comme la France recherche son indépendance, c'est-à-dire puisse avoir ses savants, ses techniciens, ses industries, ses usines, sa capacité nationale de production. Il ne s'agit en aucune façon de créer un monopole. Nous savons ce que nous devons, non seulement aux sociétés françaises dans le passé, mais à des sociétés à forte participation étrangère, qui ont apporté ici une bonne part de notre expansion et une très grande part de notre équipement en ce domaine. Mais, sans vouloir en le moins du monde créer un monopole, il est essentiel qu'une industrie nationale française existe dans ce secteur de pointe et puisse affronter la concurrence. Voilà l'objet. Et la manière de l'atteindre a été la suivante. Diverses sociétés françaises importantes se sont groupées, ainsi que leurs filiales, en une société unique, la Compagnie internationale de l'informatique. Et avec ces sociétés mères, leurs filiales et cette société nouvelle, l'État a passé un contrat de 5 ans. Pendant ces 5 ans, ces sociétés font un effort financier, technique, industriel. Et pendant ces 5 ans, l'État fait également un effort financier, apporte sa collaboration technique. Et au bout de ces 5 ans, comme il est normal, il y aura une révision et sans doute la collaboration continuera. Mais la base a été établie, une industrie nationale en face de ses concurrentes, de telle façon que dans ce secteur scientifique et dans ce secteur industriel capital, si possible, nous restions au premier rang. De quoi s'agit-il? Eh bien, il s'agit d'une chose très importante, d'une grande affaire. De même que le 19e siècle a été marqué par la révolution du machinisme, le 20e sera sans doute marqué par la révolution des machines intellectuelles, des ordinateurs. Demain, dans 10 ans, dans 20 ans, nous vivrons avec elles, nous travaillerons avec elles, comme nous travaillons aujourd'hui avec le téléphone, avec l'avion, avec l'auto. Et ce n'est pas une réalité d'après-demain. Actuellement, le marché des ordinateurs aux États-Unis augmente de 35% chaque année. Or, la France ne construit pas actuellement, avec des sociétés purement françaises, ne construit pas de grands ordinateurs. Donc en juillet, le gouvernement a lancé le plan calcul pour lancer en France l'industrie des grands ordinateurs. Mais pour construire des ordinateurs de cette importance, c'est une entreprise technique et scientifique colossale, un peu comme construire une centrale nucléaire ou construire un avion supersonique. Il faut donc une société très puissante. Il n'y avait pas au départ en France de société assez puissante pour s'attaquer à un tel problème. Et le gouvernement, qui d'habitude, quand il est en dialogue avec l'industrie, souhaite avoir plusieurs industriels, faire des appels d'offres, etc., a cette fois procédé très différemment. Le gouvernement a incité les industriels à se grouper, à fusionner, et c'est ainsi qu'est née une nouvelle société, la C2I, la Compagnie internationale pour l'informatique, qui va être désormais la grande société française de construction des calculateurs. Et le gouvernement a passé une convention avec cette société. Le point essentiel de cette convention, c'est que le gouvernement passe sur 5 ans pour 400 millions à peu près de contrats d'études à cette société pour construire, pour lancer la construction de grands ordinateurs.
Ce qu'il y a de très particulier, c'est que cette société, qui se trouve donc être l'interlocuteur privilégié, aidé par l'État, est pourtant une société absolument privée. Elle n'a pas de monopole, l'État ne lui passe pas de commande ferme, simplement l'État l'aide à lancer une industrie nationale. Alors, que va faire cette société? Eh bien, elle ne va pas tout de suite s'attaquer aux calculateurs géants. Ça, c'est très difficile, et même les grandes sociétés américaines ont beaucoup de difficultés avec les grands calculateurs. Comme disait M. Gallet, le délégué général à l'informatique, on va d'abord faire les Airbus, pas tout de suite Concorde. Donc d'abord des calculateurs de moyenne puissance, ce sera la gamme 1, et puis par la suite, les ordinateurs plus ambitieux, ce sera la gamme 2. Donc cet accord qui a été signé, c'est un point essentiel du plan calcul en ensemble. Ici, nous avons surtout parlé des machines, mais le plan calcul, c'est aussi la formation des spécialistes. C'est un tout très important, comme vous le voyez, pour la suite des événements en France.